nous avons un intérêt vital à être solidaires. À être solidaires, mais à rester différents. Je suis, quant à moi, profondément attaché à la diversité de nos cultures universelles, toutes universelles. Je n'aimerais pas que les Italiens soient moins italiens, parce que l'Europe se fait. Que les Anglais soient moins anglais, ils sont trop drôles comme ils sont. On a besoin d'eux. Que les Français, de leur côté, soient moins français. Je n'aimerais pas la malgame. Moi, je trouve que l'Europe, elle est riche d'abord de la diversité de ces cultures exceptionnelles. Je crois donc que notre avenir, il est inscrit dans nos gènes, dans notre passé, dans notre histoire, dans notre géographie, dans notre culture. Et c'est pour ça que je ne suis pas complètement enthousiaste des grandes régions. Parce que les grandes régions, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'affaiblissement, sinon la déconstruction de nos États respectifs. Et je trouve que la cohésion de nos sociétés, l'affirmation de leurs identités respectives, sont d'abord portées par nos structures nationales. Ce que je constate en même temps, c'est que quand on essaie de coopérer, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'y arrive pas. Alors il y a un tas d'institutions, il y a un tas d'autres, je dirais, de machins, de structures qui s'empilent, qui s'emboîtent, qui coopèrent. Mais après, sur un plan pratique, au niveau de l'action, au niveau de ce qu'on fait en commun, moi, je trouve qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Que pour l'instant, on en parle, puisqu'on agit.